J'ai vraiment grandi et aimé. Moi, j'ai grandi avec les grands classiques de la comédie américaine, les Hawks, les Billy Wilder, les La Cava et surtout les Lou Beach. C'est-à-dire que, et surtout Lou Beach, parce que ce que j'aime, c'est sa face. On parle d'une façon, comme quelqu'un qui tourne une poterie ou une manière. J'aime qu'il y ait une élégance, un style, un décalage, une ironie. Quelque chose d'un peu sophistiqué et allusif et ou même vaguement poétique. Après, je peux retrouver ça à des endroits un peu inattendus. Je peux beaucoup rire au film des frères Farrelly, par exemple, Pierre-Fille. Mais j'ai besoin d'un tout petit relais d'émotion ou d'empathie, on va dire. Voilà. Donc, par exemple, les frères Farrelly, il y a un film que j'adore qui s'appelle Stuck on You, qui est l'histoire de deux frères qui sont collés. Merde, je trouve que même deux frères siamois. Ouais, et dont un décide qu'il veut devenir acteur à Hollywood. Et c'est très émouvant parce que c'est un désir légitime. Et voilà, c'est souvent ce qui me fait rire, c'est les histoires d'outsiders, de gens qui veulent en être. Et donc, qui ont un désir légitime à accomplir des choses, mais que leur nature profonde, physique ou intérieure, empêche, ou leur maladresse, si vous voulez, ou ce truc beaucoup plus injuste. Voilà. Il y a un dosage savant d'intelligence, de légitimité, presque un point de vue politique dans cette histoire-là, et sur le droit à en être, et quelque chose de très drôle et de très parfois trivial, si vous voulez, qui me fait beaucoup beaucoup rire. Voilà.